Salut tout le monde, c'est Fitz le brasseur. Aujourd'hui, on brasse dans un gros système de 500 litres. Fait que c'est ça, on est en train de recirculer présentement. La manière que ça fonctionne, notre système, c'est qu'on recircule avec des pompes. On a un peu de bruit parce qu'il a fallu que je parte la fan et commencer à vraiment faire chaud dans la brasserie. Fait que je vous montre un peu que ça a l'air. Circuler puis on continue comme ça. Fait que la journée continue, ça commence bien. 8h le matin, on devrait finir aux alentours de environ 1h si tout va bien. Fait que on poursuit. On est rendu au rinçage, fait que on commence à rincer puis à remplir le boil. Ça va être à peu près 1 heure de temps puis après ça on va commencer l'ébullition. Aujourd'hui, levé à 5h du matin pour préparer la brasse. Il est 9h30, puis on est rendu à l'ébullition. On commence l'ébullition, à vrai dire, on a pratiquement fini le transfert. L'eau qu'on met là présentement, c'est vraiment pour ajuster notre refroidisseur. C'est de l'eau de pluie qu'on a ici. Fait qu'on va le passer à travers notre refroidisseur à contre-courant, puis on va être capable après ça de refroidir notre moût de bière. Je trouvais que ça te coupait un peu sec comme vidéo. Pendant le montage, j'ai décidé de faire la petite finale ici au brasseur. On a fini par oxygéner le mou avec de l'oxygène alimentaire. Par la suite, on l'envoie dans le fermenteur puis on ensemence la levure. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis si c'est le cas, faites-nous le savoir. Puis abonnez-vous quand vous êtes prêts. À la prochaine!